rappelle une autre histoire à propos de la recette préférée de Fleur d'Oranger. Elle est frésibuleuse, mais il faut faire attention à bien mettre tous les ingrédients. Quelle magnifique journée! Rien que moi et le soleil et le vent et... Et elle. Bonjour, qu'est-ce que vous faites? Bonjour, Caramiel, nous pique-niquons. Tu veux te joindre à nous? Voyons, nous avons des gâteaux de toutes les tailles, de toutes les formes, à tous les parfums. Des tartes, des cookies, des beignets, des biscuits, tu choisis. L'ennui, c'est que je ne peux plus avaler une seule bouchée de ces merveilles. Je peux vous aider à finir les restes? Avec plaisir, tu prends ce que tu veux. Qu'est-ce que nous allons faire cet après-midi? Quelqu'un a une idée? C'est samedi, il fait beau. Vous pourriez refaire quelques tartes et pourquoi pas quelques gâteaux de plus. Ou écrire un livre de recettes. Ou encore mieux, donner des leçons de cuisine à la télévision. Pourquoi pas? C'est une idée frésitastique, Caramiel. On va faire une émission de cuisine. Oui, j'ai une scène de théâtre chez moi, on pourrait la tourner là. On va commencer par aller chercher nos recettes les plus délicieusement extraordinaires. Suivez-moi en route. Ne t'inquiète pas, je te suis comme ton ombre. Je sens qu'on va s'amuser. Tu ne les accompagnes pas, Fleur d'Oranger? Je ne suis pas très douée pour ce genre de choses. Je suis sûre que tu te débrouilles très, très... Ça alors, mais d'où vient cette odeur délicieuse? On dirait qu'elle sort de ton panier. Oh, je n'ai pas eu l'occasion de les sortir. J'avais fait des glaces pour le pique-nique. Elles s'appellent comment? Des cônes petites fleurs. J'ai inventé la recette moi-même. Tu veux en goûter un? Ce serait avec plaisir, mais je n'ai plus faim. Ça ne fait rien, je comprends très bien. Écoute, si tu dois jeter ces merveilles, je veux bien faire un petit effort. Y a de la fraise et un goût exquis de vanille. C'est un vrai régal. Je peux en goûter un autre? Bien sûr. Le secret est d'utiliser la quantité exacte de chacun des ingrédients. Quel festin, c'est pas croyable. Il t'en resterait encore, hein? Je suis désolée, c'est tout ce que j'avais. Et tu vas en refaire pour l'émission de cuisine? Je ne crois pas que mes amis les aimeraient. Tu dois absolument en faire d'autres. Non, 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 ce n'est pas une bonne idée. Je crois que nous avons tout ce qu'il nous faut. Une petite seconde, Fleur d'Oranger et Coquinelle ne sont pas arrivés. Voici Fleur d'Oranger. Mais où est ta recette? Écoutez, je n'ai pas apporté de recette parce que je... Et toi, Coquinelle, tu en as apporté une? Non, mais j'ai quelque chose qui est 100 000 fois mieux. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Jetez un coup d'œil là-dessus. C'est ma toute dernière invention, la Cookie Vision. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est au juste? Attendez, je vous montre ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est? C'est une caméra, bien sûr. Elle a besoin d'une petite mise en point. Et c'est parti. Coucou, bonjour, c'est moi. Waouh! C'est la chose la plus incroyable, stupéfiante et ahurissante que j'ai vue. Grâce à mon invention, nos leçons de cuisine seront vues dans tout Frésil Paradis. Tu es une vraie championne. On commence bientôt? Je m'occupe du décor et des lumières. Vos recettes sont prêtes? Je n'en ai pas trouvé. L'important, c'est de participer à l'émission, pas vrai? Tu vas m'aider si tu veux bien. Allez les amis, on se met au travail. Je vais vous montrer comment cuisiner. C'est une chance cette émission, on va s'amuser. Laissez-moi bien y penser, comment va-t-on l'appeler? Belle recette facile à préparer. Et on va nous voir dans le monde entier. Ils vont nous voir et tous vouloir bien se régaler. Ce sera un beau succès et personne ne voudra rater. Belle recette facile à préparer. Et nos fans vont adorer nos jolies crèmes glacées. Et leurs papillons chantés chanteront les pâtissiers. Les autographes demandés seront bien sûr envoyés. Ça ne pourra plus s'arrêter. Des recettes on en a par milliers. On va
animatrice de l'émission? Tu veux tenir ce rôle, Charlotte? Eh bien, je ne sais pas. Le rôle me revient puisque l'émission se déroule chez moi, non? Si, mais ça me conviendrait mieux, vu que je suis en quelque sorte la meilleure pâtissière d'entre nous. À ton avis, Coquinel, qui doit animer l'émission? Eh bien, je crois qu'on devrait demander à Fleur d'Oranger. Eh, faisons-le à tour de rôle. Je n'y avais pas pensé. Pourquoi pas, après tout? C'est une idée frésibuleuse et frésifantastique. Parfait, au travail. Ça va être génial. Notre émission va être vue par des millions de milliards de personnes. Par nous, en tout cas. Alors, je suis comment? Tu es absolument parfaite, mais j'espère que tu ne vas pas garder ces chaussures-là. Que leur reproches-tu? Rien, rien du tout. Je suis bien comme ça? Tu es même mieux que bien, tu es superbe. Tu serais nettement mieux si tu te tenais droite. Et n'oublie pas, quand la caméra tournera, articule bien. On se dépêche, vous vous êtes assez pomponnés. L'émission commence. Je me tiens pas si courbée que ça. Par ici, les amis. Allez, vite. C'est toi qui débutes l'émission. Moi? Mais... Je commence à compter. 5, 4, 3, 2 et... Oh, qu'y a-t-il à la télévision? Oh, mais c'est Fleur d'Oranger! Pourquoi elle passe à la télé? Bienvenue à notre toute première émission de leçons de cuisine. Aujourd'hui, nous vous montrerons toutes sortes d'exquises recettes, y compris l'une de mes préférées. Et pour commencer, sans plus tarder, notre première animatrice. Oh, une émission avec mes amis de Fraisie Paradis? Il faut que je regarde ça! Et rassure-toi, on ne devrait pas voir tes chaussures. Merci. Tu peux te retirer, Angélique. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une tarte à la crème glacée. Bien, la toute première chose à faire... La première chose à faire est de demander la permission à un adulte avant de mettre le pied dans la cuisine. C'est exact. Merci, Charlotte. Maintenant, on commence par... On commence toujours par se laver les mains. Tu as raison, Angélique. On demande toujours la permission à un adulte et on pense à se laver les mains. Voici ce qu'il faut pour la recette. Un paquet de gaufrettes au chocolat, une plaquette de beurre, deux boîtes de glace et de la crème chantilly aux bombes. J'adore ça. On prend un bol de taille moyenne, je bats au micro-ondes, un rouleau à pâtisserie, du papier de cuisson à un moule à tarte et une cuillère en bois. Tout d'abord, on allume le four et on le met sur 250 degrés. Puis on dépose le beurre dans un bol que l'on met au micro-ondes. On le règle sur la température la plus basse de façon à ce qu'il fonde doucement. On découpe une feuille de papier de cuisson et on dépose les gaufrettes dessus. Puis on recouvre les gaufrettes d'une seconde feuille et on les écrase bien avec le rouleau à pâtisserie. Vous les écrasez jusqu'à ce qu'elles soient en miettes. Lorsque le beurre est fondu, sortez-le avec des gants parce que le bol peut être chaud même si la température était basse. Vous mettez les miettes des gaufrettes dans le beurre liquide pour qu'elles collent au beurre. Vous mélangez bien et quand le mélange a suffisamment refroidi, vous mélangez de nouveau avec les mains. Maintenant, vous aplatissez le tout au fond du plat à tarte. C'est ainsi qu'on fait la pâte. Voilà, c'est le moment de mettre le plat dans le four. Nous allons faire cuire la pâte 8 minutes à 250 degrés. On laisse bien refroidir la pâte. Ah, vous vous rappelez la glace? Je l'avais sortie du congélateur pour qu'elle soit ramollie. Nous allons étaler cette glace sur le fond de la tarte. Et hop, au congélateur de nouveau pour qu'elle durcisse. Cela prend environ 2 heures. J'avais fait celle-ci plus tôt. Ça a l'air exquis, hein? Si vous voulez, vous pouvez ajouter de la chantilly dessus. Vous avez vu comme c'est joli? Il ne vous reste plus qu'à vous régaler. Quelle est la suite? Oh, vite, la cuisinière suivante! Angélique, dépêche-toi, c'est à ton tour! Oh, on ne fait pas attendre ses admirateurs. La caméra tourne toujours.